La police intervient car le C de Chamatako est en panne qui donne HMAS. Juste tout ça là, juste parce que c'est écrit HMAS, c'est un délire. Parler de fermeture également administrative. Oh. Hey. Ouais, fermeture, mais... fermeture administrative. Non, on n'est pas dans la provocation quand même. C'est, j'entends bien, monsieur. Non, il n'y a pas de, non, il y a pas de méchanceté ni rien. Non, pas du tout, pas du tout. Non, elle est en train d'archiver là. Ça va, c'est un peu marrant, excusez-moi, mais oui, voilà. C'est pour que ça arrive jusqu'à là, les forces de l'ordre, elles viennent me voir. Pour rincer au moins. Tout à fait. C'est vous là, vous pouvez les faire ou pas? Franchement, vous pouvez m'aider. Et ça l'enseigne carrément. Tout à fait. Pour Hamas. Mais non, il faut pas faire un lien comme ça. En fait, certains Valentinois l'ont fait, et là, c'est remonté au niveau du maire. Le gérant, vous l'appelez maintenant? Ouais, bien sûr, il n'y a aucun souci. Non, quand même, c'est pas fait exprès, vous savez bien. Vous laissez ce soir, demain, vous ferez une fermeture administrative. C'est juste comment je peux éteindre l'enceinte, parce que en fait apparemment le but le sait, du coup il dérange apparemment. Ils ont fait le lien avec ce qui se passe actuellement en Palestine, en Israël. Demain, c'est sûr et certain, vous verrez pas ça. Vous pouvez le faire ou pas? Ouais, je vais regarder les gens faire, monsieur. Je vous laisse faire. Ouais, bien sûr. Ils veulent pas partir tant que c'est pas là. C'est même du méchant, ils veulent sur le champ. En gros, si j'ai bien compris, fermeture administrative pour un mot Hamas. Alors ça fait des mois qu'il est en panne le truc. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'il est en panne. Tu vois que je passe, je le vois. Je poste ça demain, car si on voit leur tête demain, rendez-vous au tribunal.